Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous? Moi, ça va très, 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 très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4, évidemment, avec toujours Lyonnaise, Kennedy et cette fois-ci Ashley, qu'on a réussi à retrouver. Salopard d'insectes. Tiens, bâtardos. Waouh, j'en ai pris plein la gueule dès le début et j'ai kiffé. Oh, oh toi, t'es content. Voilà, pas deux fois, pas deux fois. Bon, dis donc, allez viens Ashley. Comme je disais, il y a ici des petits trésors, le pendentif des Illuminados, ça c'est exceptionnel. Et il y a écrit dans les profondeurs du château, j'ai trouvé ma foi, contempler les vestiges divins laissés sur cette terre. Tout commence ici. Adam Sadler, évidemment. Loué soient les insectes sacrés. Le paradis sur terre nous est promis. Homme, femme ou enfant, son amour est le même pour tous. Bête, poisson ou oiseau, chaque créature recevra sa bénédiction. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes les humbles serviteurs de Dieu. Sa sagesse franchira les montagnes, son omnipotence traversera les océans. La lumière céleste se trouve en toutes choses, que nos corps soient un terreau fertile. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes le troupeau et le berger nous guide. Nos prières seront chantées dans le monde entier. Elles seront entendues par tous. Enfin, nous serons plus nombreux que les étoiles. Et ben voilà, ça c'est adorable. C'était une belle poésie, bordel de merde. Allez, on est parti. Let's go pour la suite. Je voulais vous dire un truc, je ne sais plus. Peut-être le dernier épisode, peut-être. Voilà, je vais pas trop m'avancer. Mais là, notre objectif, c'est clairement de s'enfuir de l'île. Donc, si on s'enfuit de l'île, il n'y a plus grand-chose à faire. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, on est sur une île. Et je doute qu'on retourne au calme là où nous étions. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bizarre ce long couloir, vous avez dit bizarre. Attendez. Quoi? J'ai osé louper... C'est incroyable. Quel sacrilège. Ah ouais, quand même. Allez, on y va. J'avais loupé des petites... C'est embêtant. Tiens d'ailleurs, est-ce que maintenant... Voilà. Parfait. Alors, t'en penses quoi, chacal? Toi, hop, je t'ai cramé. Pas à moi, Zinedine. Hein. Maintenant, c'est bon. Hein. Oh. Oh. Wow! Putain, il m'a fait peur! Il m'a réellement fait peur! Putain, bah, tout ce qu'il m'a retiré. Écarte-toi. Voilà, ça gicle. Ok. Waouh. Oh, oh. Un coffre comme ça. Wow. Un lingot d'os. L'île aux 1000 trésors. Tiens. C'est quoi le but de ce trophée? Obtenir tous les trésors indiqués sur la carte au trésor de l'île durant la même partie. Oh, waouh. Stylé. Yo. La pose est finie, je suppose. Allez. Bien sûr qu'elle est finie, la pause. Il est temps d'aller au bout. Au bout du bout. Au bout des choses. Au bout de nos envies. Bienvenue. Alors qu'est-ce que t'achètes? Pendentif à 18 000, c'est cool. Un j'achète lingot. Tout et n'importe quoi. C'est cool. Et un bleu velours, c'est cool. Et la clé de Louis, tout ça, c'est fait. Je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Les amis, je crois qu'on peut officiellement tout revendre. S'il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Ouais. Tu crois pas? Ok. Clairement, il est en train de nous dire que c'est la fin du game. C'est la fin du game. Allez, on va save au calme. Et bienvenue. On va J'ai tout plein revendre. De choses intéressantes à vendre, étranger. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Bon. Merci. Mmh. Ah, ça, c'est une valeur sûre. Ouais, un choix on va se faire plaisir. Original. Oh, dans le bon sens. Regardez comment il se frotte les mains. Très bon choix. Allez. Je sais, je dis souvent ça. Mais je le pense vraiment. Étranger. Ok. Oh. Je suis prêt à payer une coquette somme pour ça.
Ah mais ça, j'en veux pas de ce couteau militaire. Une arme motée, c'est du bon travail. Ce qu'on va faire en vrai, c'est le vendre. Bah les couilles, frère. Allez. Merci. Ok. Bon là, on va se faire plaisir. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à... Et c'est ça pour voir. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Eh ben écoutez... Est-ce que ce sera les amis, pas pour te faire tuer, hein? Direction... Ah, la fin, je suppose. Je suis pute. Oh là là, j'ai trois grosses grenades. Oh, je pense qu'on va, on va l'éclater. J'ai pas envie de faire le man, mais je pense qu'on va vraiment l'éclater assez facilement. On va essayer de pas trop utiliser de grenades ou autre. En fait, ça dépendra de ce qui va se passer, pour le coup. Je vais pas mytho. On est sur trois soins complets. Des herbes. Ok, on est vraiment pas mal. Ouais, 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 on est vraiment Léon, pas regarde. Mal. Ok. Bah c'est quoi, je sais pas, je suis teubé ou... Ada ! Je l'ai même pas vu, elle pendait, miskine ! Il essaie de m'appâter. Il a bien raison. Allez. Reste là. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Bon, on va pas faire comme le premier let's play. Là, on va se battre comme des hommes, pas de roquettes, rien, chacal. On a fait toute l'aventure sans le lance-roquette, hein. Qui est un peu considéré comme, comme le cheat ultime, hein. Ça one-shot presque n'importe quel boss, en tout cas à l'époque. Et j'aurais pu avoir deux roquettes, me semble-t-il, d'ailleurs. Sacré! Tiens, dans ta mère. Quoi, déjà? Attends, comment ça? Ma chair m'a donné des chances. Adieu, éternel. Je sais pas où je vais, mais on y va, les gars.
Je ne sais pas c'est quoi, je... Ah. Ok. Ok, 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 c'est impressionnant, c'est impressionnant. Waouh, ça c'est aussi impressionnant, cette petite play. Là je vous tourne. Ouais, c'était sûr. Ok. Oh là là. Ok. Oh non, non, non. Oh non, oh non, oh non. C'est pas prêt, Pierre. Allez. Ouais. C'est pas facile, hein. Je faisais le malin, mais... Ok. Pour le spectacle. Oh non, c'est pas vrai. Là, c'est de la triche. J'ai voulu faire un peu le malin. Oh non, ça me va. Waouh. Ok. Bah écoutez, tout se passe pas du tout comme prévu. Mais je pense que je panique pas trop. Je pense que c'est ok. On va repasser là-haut, calme, hein, ça fait bien là-haut. Bah voilà! Non? Bah voilà! Phase 2? J'ai plus rien là. Tu commences vraiment à me faire chier. Je croyais qu'il y avait Oh la vache, ok d'accord, quand ça fait ça... Ok, quand ça part un peu sur le côté... Ah. Let's
Let's go! Le special, hasta la vista, baby! Maurice! C'est Maurice. Tiens, je crois que ça t'appartient. Ada, tu fais quoi ? Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas, j'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens ? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. Tu ferais bien de bouger. Charmant. À la prochaine, Léon. J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... On se tire. L'île va sauter. Elle va quoi ? Elle va sauter. Allez, 2 minutes 8 pour se barrer. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien, c'est terrible. Allez, go. Ok, on se casse ici. Go, 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 on va save au calme. Wow, j'avais vu un petit truc derrière, Coquelicot. J'avais vu un petit truc derrière. Par contre, il m'a bien fumé. Il m'a bien fumé mes munes, hein, le chacal. Hein. Attendez. Il m'a bien fumé mes munes. Ok. Faut qu'on aille où ? Faut qu'on aille là-haut. Très bien. On va enfin rentrer. Attends, on n'est pas rentré. C'est pas encore fini. On n'est pas encore rentré. Ah. Eh bien. Merci. Ah. Ah. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui se passe ? Attendez, en vrai de vrai, je me dis... sont perdus sans leur maître. Ouais, c'était pour le kiff. Dégage ta main. Allez. Ok. Ah d'accord, donc sans leur sans le contrôle ultime. Ok. Bien joué, Ada. Ok, allez, on y va. Les sensations fortes. Carrément. Alors tu vas adorer ça. Allez, on se bordit. T'aimes les sensations fortes, Ashley? Bon là ils ont tout bien respecté hein, par rapport au jeu originel, c'est trop trop bien. Okay. Ouais, c'est de la conduite. Oh la vache. C'est de la conduite assistée, hein, vous inquiétez pas. C'est difficile de se louper en vrai. C'est histoire d'avoir une fin qui déchire. Voilà, bon, à part se prendre des petits trucs comme ça, t'as vu chacal. Mais c'est ok. Voilà. Wow.
Ok. Oh non, là vous abusez les gars. Là vous abusez de ouf. Yeah. Ok. Allez, on continue. C'est pas possible. Ah, mine de rien, je dis c'est facile, mais le jet ski il est mid-life quand même, hein. Je pense qu'en difficile, t'as pas le droit de te prendre un seul putain d'objet, à mon avis, hein. Je vois rien, là. On y va à l'aveugle. Oh, putain. Normalement, ma tête est découpée. Allez, let's go! Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Mission accomplie. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. On a quand même décimé tout un village, hein. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps, si ça te dit. T'as pas besoin de moi. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez, on rentre. Perchoir à Condor 1, tu me reçois? Réponds! Allez, réponds! Saluez au moins! Léon! Léon, vous allez bien tous les deux? Mais où est-ce que t'es? Réponds! C'est la première fois qu'Unigan est aussi paniqué que ça! Resident Evil 4! Incroyable! C'est le générique de fin. C'est le générique de fin. Bon, les amis, bon, bah, écoutez, Resident Evil 4, c'est Resident Evil 4, hein, évidemment, exceptionnel. Un jeu qui a été un gigantesque tournant dans la licence Resident Evil, qui commençait à l'époque, il y a très longtemps, l'époque de la GameCube, hein, de nos grands frères, évidemment, à s'épuiser. Et ce jeu a renouvelé entièrement la licence, tout comme Resident Evil 7 l'a fait, en passant en FPS encore plus horrifique. Et on peut dire que ça a été un très grand marqueur, étant donné que c'est un des premiers jeux à avoir été inondé de 20 sur 20, carrément. Et il faut l'avouer que pour un Resident Evil, il est long, il est en trois grandes phrases. Le village, l'église, enfin le château et l'île militaire. Ces trois grandes phases, c'est un régal. Il y a pas mal de différences avec le Resident Evil de l'époque, hein. Beaucoup de phases ont été enlevées, d'autres un petit peu ont été rajoutées tout de même. Il manque le DLC Ada Wong, on espère tout de même l'avoir tantôt. Mais en tout cas, pour être très honnête avec vous, qu'est-ce que j'ai aimé le faire. J'espère réellement qu'il vous a plu. J'espère que ce let's play vous a plu, en full 4K 60 évidemment, hein, c'est maintenant notre habitude depuis quelques années, hein, bah, le temps passe et on continue d'essayer de proposer la meilleure des qualités. En tout cas voilà, c'était exceptionnel et je vous remercie tous et toutes évidemment, surtout ceux qui ont joué le jeu, qui ont mis un petit commentaire à chaque vidéo, qui ont mis un petit like à chaque vidéo. C'est, n'oubliez pas, grâce à vous, hein, qu'on est encore là, que je suis encore là. Et j'espère vraiment que ce let's play a été insane pour vous, tout comme il l'a été pour moi. En tout cas, c'était un vrai plaisir de le faire, évidemment. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va passer le générique et peut-être une petite cinématique surprise à la fin, même si je vous avoue, je n'y crois pas trop. Là, on a vu l'ambre, hein, donc il a été emporté par Ada, je le rappelle. Ah ! Ok. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ombre.
Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux. On change de cap. Tout de suite. C'est donc, vous l'aurez reconnu, Albert Wesker qui n'est pas mort, hein. On sait après ce qui se passe, direction l'Afrique pour Resident Evil 5. Et j'espère que le Resident Evil 5, ils vont en faire un jeu de fou furieux avec le Chris Redfield qu'on a connu dans Resident Evil 7, 8, enfin qui a été refait, un remake. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. Merci à vous tous d'avoir suivi cette aventure, je vous fais de gros bisous. Et à très bientôt pour peut-être Resident Evil 5, peut-être Resident Evil 9. Bye bye tout le monde. I remember those lost in the dark. Bon boulot. C'est un B. C'est pas le meilleur. Mais c'est pas si dégueu que ça. Ça aurait pu être CDE. Allez, bye bye tout le monde.